Voilà, donc sans attendre, on va laisser la parole à notre dernière intervenante, Pascal Mouzet, qui est professeur de littérature française de la Renaissance à l'Université Grenoble-Alpes et qui est spécialiste du roman au XVIe siècle. Donc elle a publié notamment le roman humaniste, un genre novateur européen, qui consacre de nombreux développements très passionnants à Élisène de Crème. Et elle vient de publier le roman à la Renaissance sur le sujet également. Et surtout, c'est elle qui est en charge aussi de l'Atlante sur Élisène de Crème pour la partie littérature. Voilà, et donc là, elle va nous parler d'un sujet pour le moins inattendu, hein, sur les traits d'humour dans les angoisses douloureuses. Merci Alice et merci à ton invitation ainsi qu'à Violaine. Alors effectivement, parler de l'humour dans les angoisses douloureuses, ça va pas de soi. On a affaire à un roman sérieux, clairement, à tout point de vue, parce que c'est un roman moralisateur, peut-on dire, même si ses chemins sont sinueux, on l'a vu, les chemins de la moralisation. Ses sources, pour l'essentiel, sont des sources très sérieuses, voire ultra sérieuses. Donc évidemment, c'est pas une question qui va de soi. Par ailleurs, c'est un roman dont on pourrait dire qu'il se place dans le sillage de la méfiance de la Renaissance en général vis-à-vis du rire. Je renvoie à l'étude de Daniel Ménager, jadis, 1985, La Renaissance et le rire, qui est partie de ce début, hein, c'était le point de départ de son travail, mais il est allé au-delà, de dire que la gaieté est peu en accord, en fait, avec les idéaux philosophiques, moraux et religieux de l'humanisme. Le sage recherche la paix, le courtisan la modération, le chrétien la pensée de la mort, enfin en tout cas est habité par la pensée de la mort. Donc on pourrait s'en tenir là et puis dire que les angoisses sont dans ce sillage très largement. Alors qu'est-ce que l'humour ? L'humour, c'est un terme qui n'existe pas au XVIe siècle en tant que tel. Le terme apparaît en français d'après la partie historique du TLF en 1693, et c'est un anglicisme, il vient donc de humour, qui veut dire, qui est lui-même un emprunt à l'ancien français humeur. Voilà, vous savez qu'il y a des passages entre le français et l'anglais pour certains termes, donc là c'est le cas. Et donc le mot humeur en fait existe bien sûr depuis l'ancien français, il signifie tendance, inclination, trait de caractère. Et donc ce mot est remplacé par humour pour un sens particulier à la fin du XVIIe siècle. Donc en français, comment disait-on finalement avoir de l'humour jusqu'à le terme humour? Eh bien, si on suit Corneille, par exemple, avoir de l'humeur, c'est ne pas être mélancolique. Donc on utilisait bien ce terme humeur pour désigner ce qu'on appelle aujourd'hui l'humour. Alors qu'est-ce que l'humour? C'est une forme d'esprit railleuse qui attire l'attention avec détachement sur les aspects plaisants ou insolites de la réalité. J'ai repris la définition du TLF. Bon, quelle est la différence avec le rire qui était l'objet en fait de Daniel Ménager dans son essai? Peut-être que l'humour est plus maîtrisé que le rire. Le rire, c'est vraiment l'émotion spontanée qui jaillit. Il est peut-être plus lié à un jugement qu'à une émotion, donc il implique plus de distance par rapport à son objet. Ça, c'est un premier point de différence que je dirais. Et peut-être un deuxième, il suppose nécessairement une connivence avec autrui, mais encore une fois, on a beaucoup de cas de rire qui vont dans le même sens. Hein. Voilà. En tout cas, on peut rire seul, me semble-t-il, mais faire de l'humour seul, c'est plus difficile. Voilà, donc l'humour est plus acceptable que le rire, si je reprends l'optique de Ménager, mais plus difficile à saisir, je l'ajoute, parce qu'il repose sur du non-dit, nécessairement. Alors, Élisène de Crème là-dedans. Alors, il me semble que c'est une auteure qui n'est pas insensible à l'humour. On peut le voir au niveau de son écriture. Elle met à distance des modèles. Voilà, elle joue sur des modèles. Elle associe le roman sentimental pathétique avec le roman de chevalerie. Et ma foi, ça ne va pas du tout de soi à l'époque.
vraiment pas. Donc elle nous donne une chose un peu bizarre, un anti-roman si l'on veut, mais sérieux. Et par ailleurs, elle mélange le vrai et le faux dans son écriture, dans la constitution de son univers de fiction. On voit comment elle choisit des noms de personnages et de lieux qui sont en lien éventuel avec la vie d'une Marguerite Briet. Donc Élisène, Crène, Abbeville, ce sont des termes qui renvoient à des références géographiques de personnes et qui ont existé. Voilà, donc Elivéba, Abbeville, etc. Donc ces jeux onomastiques déjà. Et puis aussi le fait que dans son roman, le roman raconte de façon fictive son histoire. Bien sûr, c'est une histoire fictive, ne pas se tromper là-dessus. Hein. Il raconte comment il a été écrit. Voilà, donc il me semble que c'est une auteure qui n'est pas insensible à l'humour. Donc je suis partie de là pour chercher un peu des traces d'humour dans les angoisses douloureuses. Alors, l'objet de ce travail sera de se concentrer sur le texte et pas sur les stratégies d'écriture de l'auteur. Donc c'est pour ça que j'en ai parlé 2 minutes, mais c'est fini, j'y reviendrai pas. Donc dans le texte, on a des traits d'humour, des passages, donc c'est très ponctuel, très court, où on peut percevoir la présence d'un signe de jugement de la part du locuteur, la désignation, la reconnaissance chez soi ou chez autrui d'une faiblesse, d'un défaut. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, quelle est la place et la portée de l'humour dans ce roman sérieux. Voilà. Alors, on va commencer, ça sera le premier point, les éléments de reconnaissance de l'humour dans le texte. Il n'est pas évident de reconnaître l'humour, je l'ai dit, c'est difficile à saisir. Donc, comment faire? Alors, si on repart de l'idée de Daniel Ménager, qui est tout à fait pertinente dans « La Renaissance et le rire », il nous dit qu'il y a un théâtre du rire, et que sur ce théâtre, il y a toujours 3 éléments présents, le rieur, l'objet et les témoins. Et je trouve que c'est tout à fait... évidemment marquant pour l'étude de l'humour. Ça marche pour le rire, mais ça marche aussi très bien pour l'humour. Donc on va partir de là. Donc premier point, l'instance à l'origine de l'humour qui fait de l'humour dans les angoisses. Alors il y a 2 locuteurs qui font de l'humour dans ce roman. Il y a des personnages et il y a le narrateur, ou la narratrice, les narrateurs. Donc déjà les personnages, dans les prises de parole ou dans leurs pensées. Parfois c'est des pensées rapportées, ce qui revient à des prises de parole. Alors il y a beaucoup de cas, je propose de ne pas les rapporter toutes. Je donne un exemple, chapitre 11 de la partie 2, page 237. C'est un cas un peu en fait assez finalement rare dans les angoisses, où on a Guénélique qui fait de l'autodérision par rapport au personnage qu'il a été. C'est rare en fait. Autant Élisène en fait, mais autant lui, pas souvent. C'est au sujet de l'herbe appelée Hélénion. Vous vous souvenez, il explique qu'il est en voyage, donc il aurait bien aimé rapporter de cette herbe, et il fait l'éloge, en fait, de toute la tradition, de la mythologie associée à Vénus. Et il dit que lui et son ami Kézinstra auraient bien voulu rapporter de cette herbe pour en offrir aux dames de notre région, dit-il. Nous différâmes d'en prendre, car de ma part, me sentais assez travaillée de l'insupportable charge d'amour, ce que mon compagnon voulait éviter. Là, c'est vraiment le personnage qui prend de la distance par rapport à ce qu'il a été, qui est capable de dire en fait qu'il était accablé par l'amour et qui se distancie par rapport à cet éthos de l'amant éperdu d'amour, éploré, soumis, incapable d'agir. Voilà, bon, ça c'est un exemple. Donc ça, ce sont les personnages. Deuxième cas de figure, ce sont les narrateurs qui peuvent souligner l'incongruité généralement d'un tiers, d'un personnage ridicule. Alors, exemple, c'est Guénélique, dans la partie 2, chapitre 10, page 228, qui se moque du comte de Faucide, qui est jaloux du mariage de la fille du comte de Merlieu avec le duc de Foucrolles. Donc il est jaloux, il aurait bien aimé épouser la jeune fille. Il n'était content de ce mariage et ne cessait de murmurer. On est dans une situation farcesque, ça va pas plus loin, hein, c'est juste un petit passage. Mais nous avons aussi dans la première partie, là c'est plus long, l'épisode de la stupidité de l'hôte, qui n'arrive pas à identifier la cause des sérénades nocturnes faites devant la maison. Il croit que ce sont des sérénades pour sa femme qui a 72 ans et dont la narratrice nous dit qu'elle est fort laide.
Monsieur, je m'ébahis de ce qui vous meut, ni à quel propos vous dites telle parole, car j'estime ma femme aussi bonne et chaste que femme de la ville. » Et en se disant, s'échauffait, montrant par signes évidents qu'il était outrageusement irrité, qui était manifeste démontrance de son petit et rural entendement, parce que sa femme était laide et odieuse. Voilà, donc, on a ici la présence des témoins, puisque juste après, il est dit que le mari s'amuse. En fait, il embête l'autre quand il lui dit « Je ne comprends pas pourquoi il y a des sérénades devant votre maison le soir. » Donc le mari, nous dit-on, se délectait. Et à ce récit, Élisène, qui l'apprend donc par une de ses demoiselles, « Combien que fut fort mari et destitué de tout plaisir, je ne pus me garder de rire en considérant la folie de l'autre. » Deuxième point, les indices de l'humour. Alors, comment est-ce qu'on va, outre le fait de repérer, bien sûr, ce théâtre du rire, il y a des indices de repérage. C'est-à-dire, c'est pas seulement parce que les personnages sont en joie qu'on peut parler d'humour. Hein. Il y a beaucoup de joie dans les angoisses, notamment quand les compagnons ont des bonnes nouvelles, comment Sam a joyeusement devisé, etc. Bon, là, il y a de la joie, mais la joie n'est pas l'humour, évidemment. Le discours seul ne suffit pas. Il faut, en fait, que les linguistes appelleraient des interprétants, c'est-à-dire des éléments de langage qui vont signaler la présence d'une distance de l'énonciateur, du locuteur par rapport à son discours. Alors il y a des indices verbaux sur lesquels je ne vais pas m'arrêter, puisque j'en donnerai des exemples plus tard, quand on va un peu regarder de plus près des cas. Ce qu'il faut bien voir, c'est que Élisène de Crène reste dans les limites des traités de rhétorique et de civilité, c'est-à-dire ce n'est pas Rabelais. Donc, c'est-à-dire que quand il y a de l'humour, on reste dans les limites de la retenue et du raffinement prescrites par ces traités-là. En revanche, elle s'autorise le bon mot, qui introduit donc un décalage par rapport à une énonciation sérieuse. Exemple, chapitre 2, partie 3, page 294-295. C'est Guénélique qui commente l'attitude d'obstination à aimer qu'il avait. Après le discours du saint homme du Nil, vous vous souvenez ce discours donc extrêmement moralisant, extrêmement inspiré aussi quand même de ce saint homme. Et donc Guénélique écoute ce très long discours et il termine sur les raisons de ce personnage, c'est-à-dire ses arguments, desquels guère ne me souciait pour ce qu'aux sourds et aux muets, l'office d'oraison est de petite efficace. Donc là, on a la reprise d'un nasage, hein, évidemment, qui va montrer précisément le caractère un peu limité, enfin l'incapacité à comprendre de Guénélique. Et tant plus me remontrait, et plus la souvenance de Madame Élisène d'ardent désir, etc., m'enflambait, par quoi l'appétit dominant la raison ne permit la vérité discernée. C'est le deuxième cas, en fait, je crois qu'il n'y en a que deux dans les angoisses, où Guénélique montre en fait qu'il est... fermé à l'amour, tandis que Élisène le fait régulièrement. Qu'il est fermé, pardon, à la sagesse, à la raison. Tandis qu'Élisène, elle, le fait régulièrement en tant que narratrice. Et puis, on a aussi des indices physiques. Alors là, vous l'avez remarqué, je pense, quel est le signal de l'humour dans les angoisses? C'est tout à fait récurrent. C'est pas tous les cas où il y a ça, mais quand il y a ça et il y a, disons, un discours qui met une distance vis-à-vis de quelqu'un, il y a de l'humour, c'est le sourire. Vous avez dû remarquer, il y a beaucoup de cas de sourire. Et le personnage qui sourit le plus, c'est Kézinstra, dans les angoisses. Voilà. Alors, on pourrait avoir d'autres indices. Hein. Il y a les indices gestuels, par exemple, qui peuvent apparaître. Chez Rabelais, il y en a beaucoup. Des mimiques faciales, des sons plus ou moins éclatants. Bon, là, il n'y en a pas beaucoup. Il y a un cas, mais donc c'est tout à fait secondaire. Mais ici, vraiment, c'est le sourire. Le sourire qui témoigne d'une intériorité discrètement dévoilée. Je renvoie à nouveau à l'étude de Ménager qui consacre un chapitre sur le sourire et qui dit que précisément la Renaissance apprécie le sourire. Il fait des études de tableaux qui sont tout à fait intéressantes. La Joconde notamment est étudiée par lui. Voilà, moi j'ajoute le Christ aux outrages de Bosch, etc. Donc il y a beaucoup de tableaux qui montrent comme ça des personnages dans des situations extrêmement graves, mais qui... en fait, adopte un sourire qui montre une distance par rapport à la situation et en fait la formulation d'un jugement plus ou moins sage. Voilà. Alors ici, le sourire vient toujours appuyer une parole, à la différence de ce qui se passe en peinture, où vous savez que la peinture, c'est muet. Donc là, c'est le roman qui permet justement de souligner par la parole finalement ce que pense le personnage ou de le suggérer.
Voilà. Alors, par exemple, Guénélic qui dit à Élisène, quand Élisène, dans la première partie, lui dit qu'elle est, elle est malade. Hein, elle est malade. Et il lui dit, c'est elle qui se souvient qu'il lui a dit, chapitre 27, page 142-143, elle se souvient qu'il lui a dit, je ne sache médecin ni physicien qui eusse médecine plus apte à vous guérir que moi. Il est en train, par la métaphore médicale, de se présenter comme le meilleur médecin, le médecin amoureux, le médecin du cœur, apte à soigner donc le mal d'Élisène. Voilà. Voilà, donc je m'en tiens là pour le premier point. J'en viens à la deuxième partie sur, en fait, les deux et troisième parties vont porter sur, en fait, l'instrumentalisation de l'humour dans les angoisses. Il me semble qu'en fait, c'est un usage toujours tourné vers la moquerie. Donc, c'est un usage extrêmement restreint. Si on veut comparer par rapport à Rabelais, c'est extrêmement limité. Alors, la deuxième partie va être consacrée justement à la moquerie légère et la troisième à la moquerie plus complexe, en fait. Alors, la moquerie légère, c'est la moquerie, si vous voulez, qui est la plus visible, qui est la plus voyante, qui vise, me semble-t-il, surtout à susciter le rire. Voilà, on a des cibles ridicules, très très bien identifiables, qui renvoient d'ailleurs à une certaine tradition comique. Alors, il me semble que dans tous ces cas, on a affaire au détournement de réalité noble, donc à un décalage burlesque. C'est la rupture de ton la plus forte par rapport au registre pathétique et tragique du roman. Alors, qui sont les cibles ? Quelles sont les cibles ? Alors d'abord, on a la beauté féminine. On a parlé tout à l'heure de la femme de l'hôte. Elle a droit à un portrait. C'est un portrait tout à fait canonique de la laideur féminine, chapitre 6, partie 1. Et donc là, on peut se demander quelles sont les sources. Je ne sais pas vraiment. C'est un contreblason anatomique, certainement. Mais il y a aussi de la littérature morale satirique qui représente des portraits de femmes laides. Mais il y a aussi les faits d'armes. On a un passage dans les combats de Kézinstra où ses adversaires, en fait, subissent des revers cuisants. De telle sorte s'évertuaient que ceux qui le voyaient venir vers eux se pouvaient déjà juger par terre. Donc là, par rapport au sérieux du roman de chevalerie, c'est un peu frappant. Mais on a quand même une tradition chevaleresque qui met un peu d'humour, justement, à la fin du Moyen-Âge dans le roman de chevalerie. Donc on peut penser, par exemple, à Jean de Saint-Tré, qui est une des sources des angoisses, donc ça peut aller de ce côté-là, mais je pense surtout à Amadis de l'eau, donc qui va paraître quelques années plus tard, mais très certainement dont Élisène de Crène a lu au moins les premiers chapitres, puisqu'elle utilise le prénom Élisène, qu'elle adapte en français Élisène. Donc dans Amadis, on a des tas de références à des combats de ce type. Et Herbert des Essarts adore la comparaison avec le Bonnet de Nuit. Le chevalier qui se fait couper la tête, il n'a plus besoin de bonnet de nuit. Voilà. Donc, typiquement, ça me fait penser à ça. Donc, voilà. Donc, elle introduit une forme d'humour dans certains récits de combat. On a aussi Kézinstra, dans un passage, chapitre 10, partie 2, page 225, où Kézinstra joue la comédie. Vous vous souvenez, c'est quand il remporte le tournoi à Goranflos. Il feint de choisir une dame en mariage, alors qu'en fait il a déjà décidé qu'il allait donner la fille du comte de Merlieu au duc de Foucrolles. Mais il fait, alors donc là je vais pas vous lire tout le passage, vous relirez, mais vous verrez qu'il y a vraiment décalage entre ce qu'il compte faire et ce qu'il fait. Et nous dit-on, niveau d'humour supplémentaire, que les dames sont aux 400 coups, ainsi comme les litigants écoutent après l'arrêt et sentence définitive de leur juge. Là on a la comparaison juridique pour s'amuser de ces dames, en fait, qui meurent d'envie d'être choisies par le chevalier. Voilà. Donc là aussi, quelles sont les sources ? Probablement Saint-Tré, très probablement, et Amadis, c'est possible aussi, où on est dans ce cadre courtois, hein, où il y a des tas de jeux de ce type. Dernier exemple, ce sont les dieux antiques. On a l'épisode du récit mythologique du banquet solennel sur l'Olympe. C'est un récit qui n'est pas comique, hein, en soi, c'est un récit qui est plaisant. C'est plaisant, la mythologie, on a deux épisodes mythologiques tout à fait plaisants. En revanche, ce qui introduit de l'humour, c'est
le fait que il y ait cette scénette entre Vulcain, Pallas et Vénus. Donc Vulcain d'abord est tout à fait jaloux que Vénus s'assied à côté de Mars, dont Vulcain eut bien mal en la tête. Mais pour n'y pouvoir contrevenir, patience lui était bonne. Et pour passer sa fantaisie, tout pensif se pourmenait, dont les autres dieux se riaient en regardant sa difformité. Car le dit Vulcain était boiteux pour ce qu'autrefois avait été précipité et jeté du ciel en terre. Là, on a les témoins du rire également. Et puis, on a bien sûr la chamaillerie dont il a été question tout à l'heure entre Pallas et Vénus, chapitre 13. 13, parce que mal numéroté. Mal numéroté dans l'édition, chapitre 13, partie 3, page 359-362. Donc là, c'est vraiment 4 pages, c'est assez long. C'est le passage le plus long. Où les deux déesses se disputent. Et là, j'ai remarqué tout un lexique de la chamaillerie, vraiment. Grandes altercations entre Pallas et Vénus, leur contention, le persister en tel débat. Être amiable compositeur d'entre elles. C'est vraiment une querelle qui est traitée avec familiarité. Voilà, dans ce passage. Alors, quelle est la source du rabaissement de la mythologie? Peut-être La conquête de Trébizonde, qui est un roman de chevalerie peu connu, mais Mathilde Aurel a fait un article sur le fait que cette conquête de Trébizonde c'est un roman de chevalerie dont on ne sait vraiment pas vraiment la source, peut-être italienne, mais c'est pas sûr. Et donc c'est une des sources des angoisses douloureuses. Et après un tournoi à la cour de Charlemagne, l'action se déplace sur l'Olympe, où certains dieux se disputent. Donc il me semble que c'est justement peut-être la seule source des angoisses douloureuses qui a un trait comique. Donc, en tout cas, cet épisode final allège clairement le pathétique et le tragique après la mort des amants. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de ça, de ce burlesque? On pourrait dire c'est gratuit, ça fait rire. D'accord. Donc, moi, je m'amuse en lisant un peu les angoisses. Pas le cas de tout le monde. Mais on pourrait s'en tenir là. En même temps, il me semble qu'il y a un effet de récupération de ce décalage burlesque. Ça crée un effet de contrepoint par rapport à la situation des amants, la situation des héros. Souvent, c'est pas totalement gratuit. C'est-à-dire que les personnages qui sont en jeu se rapportent au drame amoureux. Alors, exemple, je vais prendre deux exemples, quatre exemples. Premier exemple, l'exemple donc de la femme lettre de l'hôte. Bon, encore une fois, c'est un passage attendu, le portrait de la femme repoussante. En même temps, ça s'associe à un discours de l'hôte qui dit, je vous l'ai lu tout à l'heure, qui dit cette femme, elle est très, très chaste. Ça peut renvoyer à la situation d'Élisène, puisque Élisène, bien sûr, c'est elle qui est visée par les sérénades de Guénélic. Élisène est séduite, mais elle reste belle et chaste. Donc, ça, je renvoie à un article de Janine Incardona. Je ne fais que reprendre ce qu'elle a dit. Donc, dans Jeu de portrait dans les angoisses douloureuses, c'est publié dans le collectif L'écriture et ses doubles. Et donc, elle dit que ça accentue finalement, enfin, ça atténue au contraire la faute d'Élisène, qui finalement va rester chaste, malgré tout. Elle n'a qu'une relation fantasmée avec Guénélic. Autre exemple, donc la reconnaissance par l'amiral qu'il est trop vieux pour épouser la dame d'Elivéba. Donc on a parlé de cet épisode tout à l'heure. Cet épisode rejoue en fait la situation d'Élisène. Alors on pourrait penser que non au départ, mais en même temps, son mari Élisène n'est pas vieux, il n'a pas du tout dit ça. Mais on voit à la fin qu'Ésinstra qui sourit. Quand l'amiral reconnaît en fait qu'il est trop vieux pour cette jeune princesse. De vrai sens, elle se fût aliénée si elle eût obtempéré et acquiescé à mon incivile requête. Car à sa beauté et gentille jeunesse ne convient homme si antique, débile et cassé comme je suis. À ces mots se prit à sourire Késinstra, et rien ne lui répondit. Là, il répond pas. Pour une fois, il reste dans le silence. Mais on comprend bien en fait que il
il se met du côté justement de l'amiral qui en fait a compris sa vieillesse et le fait que le mariage était inapproprié. Du coup, on peut lire différemment la situation d'Élisène comme une mal mariée. C'est un grand thème en fait de la littérature médiévale, la mal mariée. Voilà, donc on pourrait se dire quelque part que le mari d'Élisène, c'est cet amiral un peu trop entreprenant et finalement désobligeant. Troisième exemple, c'est la plaisanterie lors de la nuit de noces du duc de Foucrolles avec la fille du comte de Merlieu. Là, je pense que tout le monde y a pensé. Hein, pour ce passage, c'est vraiment une plaisanterie. C'est une farce, en fait. Il y a les amis des mariés, enfin, on nous dit de jeunes princes, qui viennent faire une sorte de charivari lors de la nuit de noces. Bon, je pense que ça renvoie à des pratiques historiques, hein, j'imagine bien. On va embêter les époux. Donc c'est chapitre 11, partie 2. Le narrateur prépare en fait la pitrerie en faisant parler donc les personnages qui utilisent la métaphore du combat. Des princes s'armèrent pour aller jouter, mais le nouveau marié n'y voulut assister, comme celui qui trop plus désirait la joute nocturne. Et le terme de joute nocturne va revenir. Voilà. Donc à la suite de ça, on a donc un procès. Qui est en forme de farce, un tribunal d'amour pour savoir pourquoi la chemise de nuit de la jeune femme a été déchirée. Donc ça interrompt la nuit des mariés. Voilà. Alors, on peut penser à toute la tradition de la cour d'amour, hein, la tradition courtoise des cours d'amour, où on a des débats justement sur les meilleurs comportements féminins et masculins en amour. Mais bien sûr, revisités de manière plaisante ici. On peut penser aux arrêts d'amour, notamment de Martial d'Auvergne. Voilà. Alors, Catherine Beauchat, dans un article qui s'intitule « Travestissement textuel dans la seconde partie des angoisses », toujours dans l'écriture et ses doubles, dit que cet épisode rejoue la situation d'Élisène, où le duc est brutal envers son épouse. Elle a noté, elle aussi, « joute nocturne » et elle ajoute « fureur ». Et elle remarque que le narrateur souhaite à la fin du passage, que le mari soit devenu plus aimable avec sa femme. Et elle voit en fait dans cet épisode une critique du viol conjugal en fait, hein, plus ou moins. Et donc elle dit que ça renvoie au cas d'Élisène et de son mari dont il est dit qu'il est ardent. Hein. Vous rappelez, elle est mariée, elle est prépubère et elle tombe plus ou moins malade, etc. Enfin, la querelle des déesses, sur laquelle je vais parvenir beaucoup, bien sûr, peut se lire comme une thématisation de l'hybridité générique des angoisses, mais c'est aussi un débat finalement sur la morale, l'hésitation d'Élisène elle-même entre la position de Pallas, la sagesse, la raison, dans le songe, elle est la raison de Pallas, et bien sûr l'inclination amoureuse. Peut-être que c'est une manière de rejouer l'épisode de l'agonie d'Élisène, qui choisit en fait la raison, ultimement. Voilà. Bon, parenthèse, il me semble que dans ce débat, on suggère la victoire de Pallas. Hein, Vénus est largement déjugée. Hein, Mercure la remet à sa place en lui disant « Fais pas trop de promesses aux amants. » Voilà. J'en viens donc au troisième point, la moquerie appuyée, donc la moquerie appuyée, mais en fait plus complexe. Si vous voulez, la moquerie qui vise à condamner. Mais on pourrait penser que c'est simple, mais il me semble que ça l'est moins, en fait. Cette moquerie est bien ouverte, mais finalement, elle s'applique dans des situations où on ne l'attendrait pas. Alors, dans la tradition rhétorique, le rire est lié au mépris. Le rire peut-être, en fait, une possibilité pour faire mépriser l'adversaire. Donc, de façon, bien sûr, on fait rire l'auditoire pour mieux déjuger son adversaire. Voilà, donc c'est une dénonciation véhémente, souvent caricaturale, pour un ennemi indigne de pitié. Alors, dans ce cadre, il me semble qu'il y a deux cibles. La première, c'est la médisance. La médisance est la cible de l'humour moqueur. Alors, c'est le passage de la troisième partie qui concerne Késenstra et Guénélic quand ils arrivent dans cette petite ville aux abords de Cabazus. Dans cette petite ville, on a
les habitants de la ville qui sont méchants. Hein, c'est ce qui nous est dit. En fait, ils reçoivent très mal les deux personnages. Et puis ensuite, nous avons la dame maldisante. Alors, les habitants ont des paroles infondées. Alors qu'ils ne connaissent pas Guénélie, qui se moque d'eux. Vous vous souvenez? Mais là, donc, c'est une mise à distance des moqueurs. Tout est fait pour montrer que ces personnages sont mauvais. Alors, en fait, ils s'amusent des chevaliers et ils leur demandent, ils leur disent déjà qu'ils sont pas forts. Venez-vous de faire la guerre aux Macédoniens, aux Arabiens ou à ceux d'Athènes? Évidemment, ils ne sortent pas de l'épopée, hein, ces personnages. Donc, voilà, c'est une critique. Et deuxième chose, ils les accusent d'être des chevaliers simplement galants. Hein. Vous êtes plus apte à la joute nocturne qu'à nul autre. Voilà, donc, c'est de la critique. Donc, on voit ici la définition de la médisance pour l'auteur. C'est du mensonge, des paroles infondées, et aussi de la dégradation d'autrui, mais la méchanceté. Donc, il y a des travaux récents hein, sur la médisance dans les œuvres d'Élisène de Crènes, c'est vraiment un thème fondamental. Et donc là, la question de l'humour croise ce mépris de la médisance, en fait, ce rejet de la médisance. Quant à la dame maldisante, c'est une cible qui est allégorisée. Elle a un nom qui pourrait sortir du roman de La Rose. Dame maldisante, c'est ce personnage dont le portrait le rapproche d'un monstre. Elle a le regard de Méduse et elle fait peur à Guénélie, qu'elle a une voix tonitruante. Alors, là, vous vous souvenez de la réponse que font les deux chevaliers à cette dame qui leur dit des méchancetés, hein, pire que les habitants. « Madame, si nous eussions pensé que votre requête vous eût tant été bénigne, comme est la coutume des autres dames, de se faire... la hardiesse avons pris. Toutefois, si vous dites que nous ayons fait faute, je le vous concède, car présentement, à juste cause, se doit blâmer et détester notre rude conception et débile savoir, lequel n'a su comprendre en vous voyant si laide que possible n'était qu'il y eût en vous quelque bonté. » Page 304-305. Donc là, en fait, c'est l'ironie. Il est en train de dire, en fait, qu'ils ont été suffisamment naïfs pour penser qu'une dame pouvait être accueillante vis-à-vis de l'étranger et affable. Voilà, donc c'est une manière de dire au personnage, évidemment, les défauts ou les qualités qu'elle n'a pas. Voilà, donc en plus ça renforce l'allégorie. Hein. Vous êtes laide, donc vous êtes mauvaise, c'est ce qui est dit. Voilà, et donc deuxième cible, c'est le comportement amoureux. Comportement amoureux, et là aussi, la chose est difficile, je crois, enfin disons, l'humour ici est difficile, car il porte sur Guénélique. C'est lui la cible. Et donc évidemment, dans un roman sentimental, c'est pas très normal que ce soit l'amant qui soit la cible de la moquerie amoureuse, évidemment. C'est pas non plus très normal en rhétorique, parce que la rhétorique dit que celui dont on rit ne doit pas être un homme aimé de l'auditoire. Or, bien sûr, nous aimons Guénélique, puisque c'est lui qui nous a fait le récit dans les parties 2 et 3. Alors, il est la cible de la critique pour deux raisons. D'abord, parce que c'est un chevalier qui oublie ses devoirs. Ça, c'est Kézinstra, en fait, qui se moque de lui à plusieurs reprises, en lui rappelant que c'est... Enfin, en lui signalant, en lui signifiant qu'il est un mauvais chevalier. C'est un chevalier affaibli. C'est un chevalier qui n'arrive pas à assumer ses devoirs. Vous vous souvenez, Guénélique veut tout le temps s'en aller. Hein, à peine il y a une action, il veut toujours partir. Donc là, on a des cas, vous regarderez plus près, hein, il y en a vraiment plusieurs, j'en ai repéré trois, où on a le sourire de Kézinstra. Quand il s'agit que Guénélique s'explique sur les raisons de son départ, Guénélique est assez mal à l'aise. Donc ça se produit à la fin de l'épisode de Goranflos et à la fin de l'épisode de Bouvaque. 2 chapitres 11, page 233, 2 chapitres 16, page 278. Notamment donc, dans ce deuxième cas, on voit comment Kézinstra force Guénélique à dire au prince de Bouvaque la raison de son départ. Et alors mon compagnon me regardait en souriant et me dit que cette requête ne pourrions honnêtement dénier. Ce que voyant le chef baissé comme un homme véricondeux, honteux, je lui dis qu'amour de dame me pressait et stimulait de voyager. Là, il est obligé de reconnaître en fait sa défaillance vis-à-vis du modèle héroïque. Voilà. Et puis, il y a un autre passage qui va dans le même sens, quoique en fait les personnages soient eux-mêmes déjugés, les moqueurs sont déjugés, ce sont les gardes lors de l'épisode d'Elivéba.
quand il est gardé par les gardes, qu'il le trouve complètement fou de parler en permanence de sa dame alors qu'il est censé mourir. Donc je vous renvoie à ce passage, c'est chapitre 13, partie 2. Enfin, Guénélic est déjugé en tant qu'amant courtois imparfait. Là, c'est à nouveau Kézinstra qui sourit de l'entendre énoncer toutes les qualités de l'amant courtois. Et puis, il conclut, chapitre 8, partie 2, page 206. Accompagné naît toujours de toutes ses qualités, car souvent de fois, quand pour cette sensualité être si douloureux, anxieux et triste, vous n'êtes si prudent, discret et constant que de présent vous démontrez. Donc là, c'est de l'ironie par Polyphonie. Il est en train de lui rappeler ce qu'il a dit juste avant, en lui disant « c'est bien gentil, mais ça, c'est de la théorie. La pratique, ça ne marche pas comme ça chez vous. » Voilà, et on a deuxième cas que je ne vais pas développer. C'est le cas des retrouvailles des amants à Cabazus, où là, c'est Élisène qui fait dire à Guénélic, qui demande à Guénélic de s'expliquer sur son impatience et le fait qu'il a été discourtois. Et donc, elle termine en lui disant « Guénélic, tu as oublié à dire ce que plus à ta cause servirait. C'est que telle est l'humaine virile condition que l'homme, pour n'être satisfait promptement et à son désir, il se fastidie et ennuie, qui souvent est cause de les faire excéder les maîtres de raison. Et pour ce, si de cela on prenait punition, bien peu demeureraient impunis. » Bon, elle fait de l'humour par rapport à ce qu'elle est en train de dire. Mais voilà, donc là, à nouveau, elle sourit. Là, c'est elle qui sourit. Là, c'est Élisène qui sourit et qui se moque, en fait, du fait qu'il essaye de trouver des bonnes raisons sur son attitude et qui, malgré tout, en fait, a du mal à reconnaître, en fait, sa défection à l'idéal courtois. Donc, pour conclure, on peut dire que, dans les angoisses douloureuses, l'humour est bien maintenu dans les bornes de la modération, donc idéal du temps, en ce qui concerne le rire. Il reste dans le domaine du convenable quand il n'est pas prioritairement au service de la moralisation. Ça, c'est en gros ce qu'on a dit sur le burlesque. Le sujet et les mots sont choisis. Il reste aussi dans le domaine de la retenue quand il est un outil pour faire ressortir le ridicule de certains comportements sociaux, en l'occurrence la médisance et la défaillance à la courtoisie. Voilà, donc ça reste un humour en fait pas très complexe. Dans les angoisses douloureuses, ce n'est pas un humour difficile à percevoir. Évidemment, on ne peut pas ne pas penser à Rabelais, qui est antérieur, en tout cas pour les deux premiers romans, qui sont antérieurs à Élisène de Crène, qui lui a créé un humour bien plus complexe. Je vous remercie.